On va s'intéresser à Luis Enrique, enfin un coach patron PSG. Quels sont ses choix forts, Raphaël ? Alors, on a essayé de résumer quelques-uns. Le dernier en date, c'est Mbappé qui a été remplacé à la 65e minute lors du match contre Rennes. On peut en noter deux lors du 8e de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Beraldo préféré à Lucas Hernandez, ou encore Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, mais ça c'était pas la première fois qu'ils se sont retrouvés sur le banc. Et puis en début de saison, on sentait qu'il ne voulait pas trop que Marco Verratti reste. Alors, on vous pose la question de manière très tranchée. Est-ce que après des années d'errance des coachs qui ne décidaient pas, il y a enfin un coach patron au PSG et presque du PSG ? Regardons vos réponses. Vous me dites non pour Alicia. Oui, mais parce qu'il y a un mais pour Loïc. Oui, enfin pour Benoît. De l'autre côté, mais non, messieurs, nous dit Laurie de l'Hospital. C'est pas le même PSG pour Swan qui nuance l'histoire. Et non pour Raphaël. Loïc, vous suivez Paris Saint-Germain ? Je démarre avec vous, bien évidemment. Oui, enfin un coach patron, mais, et c'est les trois petits points qui m'intéressent. Il est patron parce qu'on voit bien par ses choix, c'est lui qui décide. Et sur Mbappé, par exemple, c'est lui qui prend la décision de ne pas le faire jouer à Nantes et de le remplacer face à Rennes. Il n'y a pas d'ordre patronal. Il n'y a pas d'ordre. Mais c'est justement ça le mais. C'est qu'aujourd'hui, il y a un président, Nassar Al-Khelaïfi, un propriétaire et plus globalement des dirigeants qui ont décidé de laisser faire l'entraîneur. Il l'avait promis en début de saison. Est-ce que vous, vous constatez que c'est vrai pendant l'année ? Totalement, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire de son équipe. Pas totalement, parce que sur Mbappé, on a bien vu qu'il le sort maintenant, qu'il a décidé de partir et il ne le faisait pas avant. Donc il a pas tous les pleins pouvoirs. Mais en tout cas, le président l'a dit devant les joueurs en début de saison, dans le vestiaire. Il a dit aujourd'hui, on donne carte blanche à l'entraîneur. Est-ce que ça veut dire que le PSG, Loïc, pour que tout le monde comprenne bien, avec quelques petites années de retard, mais ils ont construit autre chose, une marque, se dit on va faire comme City en donnant les clés à un coach qui va faire son équipe. La star, c'est comme Guardiola à City. On fait pareil avec Enrique. Est-ce qu'on peut faire la comparaison ? C'est le projet, en tout cas. Je ne sais pas si Luis Enrique va rester aussi longtemps. Le point de départ, c'est quand même différent. Mais c'est le même point de départ. Et aujourd'hui, on voit bien Luis Enrique fait ses choix en pensant déjà à la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de se faire virer. Il ne dit pas, attention, il y a la Ligue des Champions, si on se fait sortir. Il dit même, après la victoire face à la Real Sociedad, il dit quand même à la fin... Si on perd, si on se fait éliminer, c'est pas grave. Mais les autres avaient peur de se faire virer, c'est ça que vous me dites ? Oui, la plupart, ils jouaient avec le frein à main. Ils avaient vraiment peur de faire sortir Neymar, de faire sortir Messi, encore plus de faire sortir Mbappé. Ils avaient vraiment peur de la direction, et à juste titre, parce qu'on rappelle que Mbappé a fait virer Leonardo, par exemple, qui est l'ancien directeur sportif du club, qui a fait venir Campos au club. Donc il y a tout un environnement autour du club qui a changé, et ça permet aujourd'hui à Luis Enrique d'être le patron. Alors, Laurie, vous n'êtes pas d'accord sur l'ardoise, techniquement, avec Loïc, puisque lui dit « oui, il y a enfin un coach patron oui. ». Vous me dites « non », mais je voyais quand même acquiescer sur l'acte de naissance du nouveau PSG, c'est ça ? Oui, je suis en partie d'accord avec lui, effectivement. Clairement, il l'avait dit, ils le font, ils laissent plus de place au coach. Après, Swan parlait tout à l'heure d'ego surdimensionné de Luis Enrique. C'est ça qui me dérange chez lui, c'est... Pour moi, la définition d'un patron, c'est pas juste jouer avec son ego et sortir Mbappé pour sortir les muscles quand avant vous trouvez ça. Que c'est ça ? Moi, je trouve que ça ressemble à ça. Et surtout qu'il l'a dit lui-même, avant ça, il n'avait pas les mains libres par rapport à Mbappé. Donc, ça me plaît pas spécialement en fait ce qu'il fait. Je dis pas que ça va, qu'il va pas faire des bons résultats, mais c'est pas un patron, c'est un petit patron pour moi pour l'instant. Un petit patron peut-être, enfin de l'ego ça c'est sûr, et aussi des sorties piquantes de Luis Enrique depuis le début de la saison concernant Kylian Mbappé. On a fait une sélection avec Leroy Cabella. La première, elle date du 11 novembre dernier. Mbappé vient d'inscrire un triplé face à Reims, mais visiblement ça n'a pas suffi pour Luis Enrique. Nouvelle sortie de l'entraîneur espagnol, le 16 décembre dernier, Mbappé est alors frustré que son équipe lève le pied face au Bayern en Ligue des Champions pour assurer la qualif. Mais n'oublions pas quel patron. Oui, 7 janvier dernier, Kylian Mbappé dispute l'intégralité du match de Coupe de France face à Revel, où le Paris Saint-Germain s'est apposé 9-0. Changement de discours de Luis Enrique. Et la dernière sortie de Luis Enrique en date, après le remplacement de Mbappé à la 65e minute face à Rennes, n'oublions pas qui est le patron, nouvel épisode. Est-ce que le PSG sera sans pitié pour Kylian Mbappé ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors,
Est-ce que le PSG, est-ce que ce PSG-là sera sans pitié pour Kylian Mbappé, les amis? Moi, je pense que oui. Pourquoi je pense que oui? Parce que le PSG marchait derrière Kylian Mbappé parce qu'il voulait que Kylian prolonge. Il voulait que Kylian prolonge son contrat. Et comme Kylian a refusé de prolonger son contrat, le PSG va maintenant le traiter comme les autres joueurs. Le PSG sera sans pitié avec Kylian. Sans pitié et à juste titre. Le foot, c'est d'abord tout. C'est après tout des intérêts qu'on défend. Hein. C'est après tout des intérêts qu'on défend. Certaines personnes disent que non, Kylian Mbappé est méchant. Kylian Mbappé ne pense qu'à sa gueule. Kylian Mbappé ne pense pas au PSG. Il n'aime pas le PSG. Mais sauf que les amis, les joueurs pensent d'abord à leur carrière. Les joueurs pensent d'abord à leur carrière. Kylian Mbappé, il sait très bien que si pour Real Madrid, ça sera favorable pour lui de remporter la LDC. Il a plus de chances de remporter le Ballon d'Or au Real Madrid qu'au PSG. Il le sait très bien et il a 25 ans. Il pense à sa carrière. 25 ans, c'est le pic déjà parce que lorsque tu atteins 26 ans, tu n'es plus jeune. Tu commences déjà à prendre de l'âge et puisque tu prends de l'âge, ta carrière commence déjà comment vraiment prendre un coup. Parce que lorsque tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu peux encore faire les erreurs, mais Kylian n'a plus droit à l'erreur. Ses choix doivent vraiment être bien réfléchis. Les choix des clients doivent être bien réfléchis. Parce qu'il a 25 ans, il n'a plus droit à l'erreur. Imaginez peut-être s'il gâche encore 2 ans, peut-être au PSG. Ça fait 27 ans. 27 ans, est-ce que le Real Madrid le voudra encore? Pourtant, lui veut marquer l'histoire du Real Madrid. Il veut remporter des trophées majeurs. Il veut remporter le Ballon d'Or. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé pense d'abord à sa carrière et à juste titre. C'est normal de penser d'abord à sa carrière. Comme le PSG pense d'abord à leur business, à développer les marques, à développer le PSG, à gagner de l'argent. Ils pensent d'abord à leurs intérêts. Le PSG pense d'abord à leurs intérêts. Donc, moi, ça ne me choque pas de voir Kylian mettre sa carrière en avant au détriment du PSG. Moi, ça ne me choque pas. Malheureusement, c'est le monde du foot. Ce n'est pas seulement le monde du foot. Hein. Ce n'est pas seulement le monde du foot, même le monde de l'emploi. Lorsque tu travailles pour un employé, lorsque tu travailles pour un patron, dès que tu trouves mieux ailleurs, tu te bats, non? Tu te bats. Dès que tu trouves mieux ailleurs, peut-être tu as trouvé un travail qui est mieux payé. Tu as peut-être lancé ton propre business. Ça a pris. Tu démissionnes. Tu démissionnes. Tout le monde veut être bien là où il est. Tout le monde pense d'abord à ses intérêts. Tout le monde pense d'abord à sa carrière professionnelle. Donc moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Et si Kylian Mbappé est parti gratuit, s'il n'est pas gratuit aussi, c'est la faute du PSG. Parce qu'en 2022, le PSG avait la possibilité de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils pouvaient prendre au moins 180 millions d'euros sur le Real. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, beaucoup de personnes disent que non, Kylian Mbappé doit prolonger peut-être d'un an ensuite le PSG le vend pour que le PSG puisse avoir de l'argent sur Kylian Mbappé sur le transfert. Mais qu'est-ce qui vous garantit que si Kylian Mbappé prolonge un an, le PSG va accepter les propositions des autres clubs? Rien ne garantit cela. Rien ne garantit cela. La preuve, en 2022, ils avaient la possibilité de vendre Kylian à environ 150 millions d'euros. Ils ne l'ont pas fait. Vous pensez que c'est maintenant qu'ils vont le faire? Les Qataris, leur priorité, c'est garder Kylian. Ils ne veulent pas le vendre. Ils ne veulent pas vendre Kylian, c'est de le garder. Donc, les amis, moi, je pense vraiment que Kylian Mbappé, le PSG sera très dur avec lui, sans pitié avec lui. S'il fait un mauvais match, il va sortir. S'il n'est pas bon, il sera sur le banc, il n'aura plus de privilèges. Donc, partage-moi ton ressenti un peu sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.